Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I have so many dreams, when you hit your teens, life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the songs, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable, oh yeah. I want the real stuff, everybody listen up. Cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Waking up, now wondering what I wish you by my side. Waking up.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Cible TV. Voilà, stop, vous vous grésillez de partout, là, débranchez un truc. Ah, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ça va mieux? On parlait pas pendant 10 minutes avant, et là, est-ce que ça va bien? N'importe quoi. Oui, c'est bon, là. Et tout va bien? Ouais, allez-y. Jusqu'ici, tout va bien, ok. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Cible TV pour vivre le Grand Prix du Japon en direct et en intégralité. Comptez-vous, mon cher Minari? Vos oreilles vont mieux? Oui, ça va. On parlait pas pendant 10 minutes, il allume son micro direct. En plus, il grésille. Ouais, incroyable. C'est la farce du jour. Farce du jour. Ah, ça grésille vite fait chez vous. Farce du jour. Pour l'instant, un seul pilote est en médium, mais bon, pour l'instant, personne n'est sorti des stands. 15 pilotes sont présents ce soir, ici, du côté de Suzuka. Et c'est une Racing Point qui est la première à sortir. C'est Rally Monster. À savoir que les titres pilote et constructeur ont été attribués. Le titre pilote, c'était il y a deux courses de cela. Le titre constructeur, lors de la dernière course... Donc, les places d'honneur, maintenant, ce qui reste à jouer, ce sont les places d'honneur dans ce championnat, notamment une bataille pour la troisième place intéressante entre Léon Toxique, Matouf. Ça s'est resserré, le championnat, avec les pertes de Matouf ces derniers temps. Pilote très performant en qualification, surtout, il a trouvé un bon réglage qualif sur sa Renault dans cette fin de saison. Le Rally Monster est sorti en jeune. Eh oui, le voici en médium, oui. Il a bien conservé les médiums affichés à l'écran. Et en tour de sortie également pour CCJ sur la Williams. Et Yamamoto, le champion du monde, sur sa Ferrari. Vous soufflez dans le micro maintenant. Je souffle dans le micro. Hop. Ah ouais. Rally Monster qui va aborder le fameux 130R. Puis la dernière chicane pour aller s'élancer pour son premier tour chrono, le premier tour chrono de la soirée. Le pilote de la Racing Point. Allez, plus que quelques courses pour vivre, pour avoir la chance de voir cette voiture rose en piste qui vit ses dernières heures de gloire. Qui passera au vert l'année prochaine. C'est parti, en tout cas, il est dans le premier virage, le pilote. Français. Évidemment, les secteurs sont violés, c'est normal, c'est le premier à faire tomber les chronos. Ah oui, j'ai pas activé la tablette, donc effectivement c'est normal que sur Twitch rien ne s'affiche. Je me demandais ce que c'était le problème. Et T34 qui nous disait que s'il y avait de la pluie, il pourrait jouer au top 10. Mais la météo nous annonce visiblement du sec, mon cher Minari. Hein. Jamais. Comment? Il ne pleut jamais. Oui, effectivement, le lundi soir c'est rare la pluie quand même. Je sais pas combien de fois il y a eu de pluie ici. Mais la dernière fois, qu'il y a eu de la pluie, je me demande quand c'était. Ça remonte à un bout de temps déjà. Et voilà, fin du tour pour Rally Monster. Archicane, dernière. Et Delmas abandonné. SCCJ aussi. Y aurait-il des histoires de bugs à vérifier? Non, je sais. Enfin, de bugs. Ah, mais. Parce qu'ils ont pas de chrono, hein, donc. Est-ce qu'il y aurait pas du bug? C'est Yamamoto qui va peut-être arriver sur eux. En tout cas, c'est fait pour Rally Monster. Yamamoto qui arrive, qui est dans la spoon. Ils ont perdu le secteur 1. Bah, ils ont dû avoir un accrochage. Ah, dommage. On n'était pas dessus. T34, il l'a perdu. Ah, je suis avec Yamamoto sur la ligne d'arrivée qui devrait aller chercher le meilleur tour avec cette pneus soft. Meilleur temps provisoire pour le pilote Ferrari. Donc, il n'y a pas besoin de ressortir.
Et bah, du coup. T34 sera... secteur 2. Ah oui, mais. C'est loupé, mais vous m'écoutez pas en fait. Hein. Ah oui, c'est vrai. Oui, si, j'ai entendu le. Oui, c'est vrai. Ouais, vous avez entendu, mais j'avais pas. Mais pas réagi. Je l'ai entendu, mais pas réagi. Et ça sera Skype. Mais c'est qui hôte du coup pour les histoires de pluie là? C'est qui hôte les sessions là? Delmas. Pourquoi? Pour savoir par rapport à l'histoire de. Pourquoi? Ben, par rapport à l'histoire de la pluie qui ne vient jamais. Donc c'était pour savoir qui c'est qui hôtait au final. C'est parti. Donc, pour ce que tu... Peut-être un changement d'hôte d'ici la fin de la saison. Bon, en même temps, pour avoir de la pluie, il reste plus que quoi? Bakou, il me semble que j'avais vu dans le planning. Et voilà, Bakou et la Chine. Ouais. Pour espérer de la pluie, il reste plus que Bakou et la Chine. Parce qu'après, c'est Abu Dhabi. Et donc, voilà. Il reste plus que 3 courses après ce Grand Prix. Skunky sur l'Alpha Tauri. Alpha Tauri. Eh, vous préfériez Toro Rosso ou Alpha Tauri, juste en parlant de nom, hein. Je parle pas de livret ou quoi que ce soit. C'est la même écurie, donc si vous me parlez pas de livret... Ouais, mais niveau nom, ça fait plus style Alpha Tauri que Toro Rosso, par exemple, c'est ça que je veux dire. Ça fait plus style, ouais. Si on va commenter des courses par rapport au style du nom, on est mal barré. La Fashion Week ici. Bon, ah bah, je me suis trompé de studio, apparemment. Est-ce qu'il est arrivé devant le 130R? Oui, il y est, on est sur lui, hein, on est avec lui. On est en tour embarqué avec le pilote AlphaTauri juste avant. C'est pour ça que je parlais d'AlphaTauri juste avant. Parce qu'on était sur lui. Toujours faire gaffe à la bosse hein, au début de. Avant le. Surtout qu'elle est plus, donc c'est bien. Ah bon? Ah, ils l'ont enlevé, là. Elle s'était resurfacée. Il y a un nouvel surcours, il est en rouge. Elle est au secteur 2, ouais. Ah oui, mais oui, rouge, donc c'est mort. Tour de sortie. Ah, Matouf dans le secteur 1. Matouf dans le secteur 1. Sur sa Renault. Et Libéraux, deuxième, vous avez eu? Eh, 26-4. C'est pas mal. Pour le moment, attends, ils sont que 4 à avoir fait un chrono, vous allez me dire. Donc c'est normal. Allez Matouf, secteur 2, il faut l'avaler. Bon, un petit bête jusqu'au 130R. Une 10.001 pour le pilote Renault. Cours à la droite, puis on tourne à gauche, c'est la chicane. Pour revenir sur la droite, dernière accélération. Ah oui, elle y est plus apparemment. Mais j'ai pas, je roule plus, donc je peux pas savoir que ça y est plus. Une 26-1. Et une 26-1 pour Matouf. J'ai en troisième temps. Tommy, secteur 1. Oui, il a toujours pas de chrono, lui aussi. 31-1 pour les secteurs. Pour Pilot Williams. 31-2 pour Wadeo. Williams, 30 points. Allez, une petite stratégie à deux arrêts ici ce soir. Oui, de toute façon, ça fait longtemps que vous ne roulez plus, vous. Hein. Ça se voit. Hein. Je ne sais pas. On verra. L'avenir nous le dira. Tony, une 10-4. Et Adéo passe en une 10-2. Une 9-6 pour Gab. Tony qui conclut son tour en une 26-8. 652, oui, pour Tommy, c'est 8ème chrono. 5. Et William sur la ligne. Oh, meilleur temps provisoire, 25-8.
Pour le pilote RCS, c'est tout en fuchsia, tout en violet. FR est sur un tour. Il est où FR? Il est où? Ah, il est sorti. Ah oui, là, il a jardiné un peu. Ah mais son tour, il est... Ah ouais, il a fait... C'est quand même... Bon, après, il a plus perdu de temps, je pense, qu'on gagnait. Hein. Oui, non, mais il a plus... De toute façon, il reste plus que... Ah, il y a Jacob aussi qui a toujours pas de chrono. Sinon, après, le reste, ça sera terminé. Delmas, c'est... Ah, il rentre au stand. Bah, de toute façon, il y a le temps encore. Il reste 4 minutes 23. Et Jacob, on est sur lui, sur la ligne d'arrivée, sur l'AlphaTauri. Va-t-il se classer devant son coéquipier? Oui. Il est remonté. Cinquième rang. 1026-2. Et Delmas et CCJ, donc, ils se sont visiblement accrochés. Ils n'ont pas de chrono. Et du coup, s'élanceront en dernière ligne. Enfin, en avant-dernière ligne et dernière ligne. En 7e et 8e ligne. Allez, deux tours de rentrer au stand. Tommy, c'est pareil. Voilà, il rentre au stand un instant. Alors qu'il y en a qui ressortent des stands là, regardez-moi ça. C'est tout beau, tout mignon. Alors les monsters qui est encore une fois le premier en piste dans cette Q2. Oui, Q2 en effet. C'est bien la Q2. Alors, je calcule qui fera le premier tour. Allez, le Rally Monster qui est dans ce tour de sortie. Oui, alors qui... que ce sera Skulky qui fera son premier tour. Il sortit avant, pourtant il me semblait avoir vu. Ah, mais il vient de le doubler, mais vous êtes tellement attentif sur ce qui se passe sur votre télé que. Ah, oui, c'est ça. Et bon, oui. Mais vous me secondez, c'est pas pour rien en même temps. Hein. Pour ouais, voir ce... c'est pas une seconde, c'est pour voir ce que je ne vois pas. Je me prends sur mes épaules, et puis je vous pars. Hein. Ah oui, c'est pour éviter que je me noie, ça. Ouais, ouais. Pour que j'épie, en fait, d'une certaine façon. Ah, c'est vous noyer. Mais oui. Des fois, j'aimerais que vous soyez un petit chiot. Incroyable. Allez, mais, c'est parti pour ce qu'elle est. Dans l'eau. Ah non. C'est peut-être dans l'eau. Ah ouais. Pour le record de sous l'eau, ouais. C'est ouais, le record du monde de d'apnée. On va faire ça. Allez, c'est parti. Fin du secteur 1, c'est 31.3. 80 millième d'avance sur son chronomètre, mais c'est. Le tour de Tommy qui est juste devant vous, si je ne dis pas de bêtises. Vous dire des bêtises, ça se saurait. Hein. Est-ce qu'un qui secteur 2, quel chrono va-t-il nous sortir dans le secteur 2? Va-t-il être en avance? Pas mal là. On va voir ce que ça donne. 10-3, 3 dixièmes d'avance. Ouais, il est plutôt bien là. Il fait le job à 3 dixièmes. Attendez, il est 27-0. Ah, c'est bien. Ouais, ça suffit pour gagner une place, mais la Q3, ça va être juste. Ouais, 6. Pas 6 dixièmes pour l'instant, ça passe pour le moment. Et Rally Monster qui améliore 2 dixièmes dans le deuxième secteur. Et là, il est sur la ligne. Sur la ligne Rally Monster, il est dixième. Il reprend la dixième place à Skunky. Ouais. Très important. 16 millième sur Skanky. T'es 34 qui lance son tour chrono. Et Tommy qui reste dans les stands. Il n'y a plus qu'FR qui peut sortir Rally Monster. Ouais,
T34 sur un tour. Il y a quelqu'un dans l'herbe là, regardez. C'était Rally Monster, hein, le coéquipier de T34 qui faisait du rallye là. C'est pas mal pour FR là. On va reprendre le premier secteur. 31-3, c'est dans les temps de Skunky. Attention, c'est bon, c'est passé. Ouais, c'est pas coupé, ça va. Il va aller la chercher, oui. On peut trop freiner. Un peu trop tôt, peut-être. On peut aller chercher avec toi. T34 en recherche de volant, hein, pour passer au volant. D'ailleurs. Il peut passer au volant. Comment ? Il est pas au volant, là. Hein. Non, non, il cherche à passer au volant. Prochaine étape pour lui, est passer au volant. Il a l'air ça va pas passer. Attention, il y a quelqu'un devant, on prend l'inaspi peut-être, le pas trop être gêné. Ouais, ça va, il a pas pris d'aspi non plus, ça va. Ça ne va pas passer. Drapeau jaune, en plus il doit ralentir. Donc il peut pas améliorer. Eh oui, 13ème temps, il reste à sa position. Dommage pour le pilote. C'est fini, il y a des pilotes. Monégasque. C'est qui en piste, c'est plus personne en piste. Le Doki rentre au stand. Rally Monster qui rentre au stand dans ce tour. Bon, c'est fini là. Oui, oui, il rentre au stand. Donc nous avons pas le poleman, mais nous avons les éliminés de la Q2, à savoir du coup. Skunky, Toby, T34. Delmas et CCJ. Donc William qui a le meilleur temps dans cette Q2, va-t-il conserver l'avantage en Q3? Nous le saurons d'ici quelques instants. Yamato était deuxième à 62 millièmes seulement. Spark est troisième à 2 dixièmes. Et regardez, Matouf dans le top 4, encore là présent. Jacob, pas trop mal présent, il est cinquième. Libéro, sixième, premier pilote Red Bull au classement dans cette Q2. Il devance en toxique, Gaëtan, Adeo et Rally Monster qui est le dernier qualifié pour la Q3. Tout le monde est passé en pneu soft à noter. Donc... du coup, bon, le top 10 éliminé pour comme je l'ai dit, 16 millièmes, même pas grand sur Adeo, il est moins d'un centième, d'un dixième, pardon. Ah oui, terrible, ça joue pas grand chose hein, souvent dans ces championnats, et ça, c'est beau. 10 pilotes, moins de 12 minutes pour établir les 5 premières ligues de départ de ce Grand Prix du Japon, le 18e, 19e Grand Prix de la saison. 10 ans du Forum pour Libre, c'est une course spéciale pour Japon, au Japon pour Libre ce soir. Ah bon? Une moto qui sort des stands. Yamamoto, le pilote local, qui aura à cœur de briller ici, à domicile. L'année dernière au Japon, tout simplement, il avait fait la pole et la victoire, mais n'avait pas signé le record du tour. Soit-il capable de le faire? Le numéro 2, qui est finalement le numéro 1, deuxième titre consécutif cette saison. Ah oui, le chiffre 2, c'est bien, c'est pour ces deux titres en carrière pour Yamamoto. Je ne sais pas, moi sur mon live, j'ai pas de personne qui commente ou quoi, donc je sais pas si. Peut-être qu'il y a personne, je sais pas. Vous êtes sur lequel live? Parce que si vous êtes sur le. Ah oui! Ah, il y a moyen que ce soit ça encore. Non, il y a Krishimi TV live. 5 spectateurs. Donc non, je suis sur le bon, logiquement.
Bizarre, tu stars. 9 spectateurs. Je suis toujours à 5. Ouais. Attendez, je vais quitter pour mieux revenir. Ouais, je sais pas. Allez, Yamamoto, c'est parti pour le tour chrono. Il faut aller chercher la pole, une deuxième pole consécutive au Japon. C'est l'objectif. Encore du tour, c'est une 25-6 sur ce circuit. Et le temps gazette. Tant que la page charge. Le temps gazette, c'est une 25-2. Donc autant vous dire que il y a moins que le record du tour soit battu ce soir. Vu que le temps gazette est plus abattu le temps du record du circuit. 9-5, fin du secteur 2. Allez, on va enchaîner la dernière chicane qui va mener à la ligne droite. Et pour un premier temps provisoire de 1-25-613. Allez, derrière lui. Ah, il y a Rally Monster là-bas. Il a fini. Une 10-1 pour Adéo dans le deuxième secteur. 6-4. Pardon, 8 dixièmes derrière. 10-3 à la fin du secteur 2. William, une 9-8 à la fin du secteur 2. Et qui arrive dans la dernière chicane. D'abord, 6-4. 6-4, troisième tour derrière son coéquipier. Jacob, quatrième temps, et William, deuxième temps, une 25-8. Deux dixièmes derrière Yamamoto. Et Matouf qui rentre dans un tour chrono. Chrono sur la Renault. Ça va être rigolo. Le lundi soir, c'est long. 26-4 pour Gaëtan. Mode toxique, ouais. 26-3. Ouais, Gaëtan qui est là. 26-3. Troisième place pour la Renault, pas mal. C'est pas qu'il a fait 39.9, etc. Et Rally Monster qui avait arrivé au 130R, une 23-3 dans le deuxième secteur. Il rentre au stand, mais ouais, parce que 23-3, ouais, c'est pas bon. Une 9-8, Spark, une 9-8, Spark, une 9-8 dans le. Dans le temps de William. Dans le deuxième secteur. Et troisième chrono. 26-0 pour 3 dixièmes devant Gaëtan. C'est la deuxième ligne pour le pilote McLaren. 30.9 et une 9-6, c'est en dixième de. La moto. Oui, c'est beau. Seul Matouf et Rally Monster n'ont pas de chrono pour l'instant. 25-7, Matouf, joli deuxième temps. Et Rally Monster qui est donc rentré au stand, qui n'a pas de tour chrono pour le moment, il est dixième. Le pilote Racing Point. Le buffle. Ça respire fort. Oui, ça, parce que sinon vous faites. C'est on dirait Dark Vador presque. Hein. Toto Wolff a su raisonner Russell, George Russell, suite à
l'accrochage hier, hein, lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne, car celui-ci s'excuse désormais en avouant à ouais, être en non, mais faute. pendant l'interlude, là, vous allez faire une analyse du crash et des raisons pour lesquelles ils se sont crashés. Et il Ça compte va être appeler. intéressant. Oh, bah là, on est mal barré, je pense. Et du coup, Russell va appeler Bottas pour s'excuser. Je pense que Toto Wolff n'est pas étranger à cela, évidemment. Toto Wolff qui voulait remettre George Russell dans la Clio Cup. Après cet accrochage. En Clio Cup. Le redescendre en Clio Cup. C'était une blague en fait. Hein. Oui, bah écoutez, c'est toujours sympa à raconter, tes blagues. Ouais. Jacob en sortie. Oui, ton sortie, on est dessus. Le pilote AlphaTauri. Seulement 9e de la séance pour le moment. Il faut pousser, Jacob. C'est le 5e temps chrono, 25-9. Hein. Il a su faire du 25-9 en gazette. Donc il peut aller plus vite. Un bon Jacob, dans son AlphaTauri, que vous reverrez en Azerbaïdjan la semaine prochaine, dans la suite de la bataille pour le titre en Formula Series, vendredi prochain, la fin du mois. Mais qu'on verra aussi, notamment lundi prochain, hein, également en Azerbaïdjan, avec son AlphaTauri, son AT01, AT AlphaTauri, vous l'aurez compris. Première du nom. Joli nom de code. AT comme les ATT. Les blindés dans Star Wars, les quadripodes. Mais oui, derrière s'activer tout est fruité, il faut tout donner, c'est maintenant ou jamais, à 2 minutes 30 de la fin de la séance, il faut aller chercher mieux que cette 9ème place, il est capable de le faire. Une 25 comme en qualif, comme en essai, c'est le top 3. Épingle. La spoon, attention le vibreur, pas perdre la monoplace. Donc donc l'accélération jusqu'au 130 R, une voiture ralentie ici. 9-8, on est prêt dans une pointe de William, côté. Le top 4 jouable ici. Pour pilote AlphaTauri. Ouais, c'est pas mal. Une bonne chicane là. Ah, il a perdu un peu de temps pour le large. Alors, accélération après, ouais. C'est le top 4, effectivement, 25-9. Et dans le premier secteur. 25. C'est par contre. 13, il a fait exactement le même. Ah non, il repart sur un peu. Spark est en retard sur son chrono dans le premier secteur de 89 millièmes. William en avance de 3 dixièmes. Oh là là, pour l'instant c'est la pole provisoire. Hein. Non. 7-6-5, ça ferait 27-5-7-5. Donc ça passe. C'est coupé pour lui. Regardez, William, il a pas fait la pole provisoire. Ah ouais, je te l'ai dit. 25-6, ouais, mais en tout cas, c'est dans le même dixième qu'il y a en moto, ça se joue à pas grand chose. Et il est à l'arrêt, là, sorti après la ligne droite, là. Regardez. C'est normal. Il y a des gens qui sont attaqués, c'est pour ça, ouais. Et oui, c'est fini. On a tout. 4 dixièmes de mieux pour Adéo dans le premier secteur. Ah, mais non, mais c'est de la merde. Mais il s'arrête. Ouais. De toute façon, il était même pas à la fin du premier secteur à cet endroit-là, donc c'est bizarre. Oui, non, mais il a amélioré son tour déjà.
Ouais, ça disait de la merde, ça disait secteur 1 alors qu'il était encore dans le secteur 1. Donc, vu le bug de truc là. Matouf, il est là, 25-7 dans le premier secteur. Il part en avance de 73 millièmes à la fin du secteur 1. Matouf, il est en retard de 8 dixièmes. 8 dixièmes, c'est en toxique. Jacob, il est au stand. En avance de 2 dixièmes. Spark. Qui laisse passer. Je disais en toxique, il ne cherche pas. Et Spark, c'est 2 dixièmes, il a meilleur 2 dixièmes, hein, c'est le 7ème temps seulement. C'est fini pour le pied de Ferrari. Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous dites ce Spark, il est pas chez Ferrari, je crois. Oui, mais après, j'ai dit en toxique. Au moment de franchir la ligne, je parlais en toxique. Et temps. Un dixième de mieux dans le deuxième secteur. Et un dixième de mieux dans le troisième secteur, c'est le 8ème temps, 26-1. C'est à dire qu'il en avance dans 10ème, une 10 pour une. Dans le deuxième secteur, oui. Lui qui est 10ème. Ouais, attention, blocage de roue ici à chicane. Ça semble compromis, hein, l'amélioration maintenant. Ah oui, 44 millièmes, ça ne passe pas. Pour Lewis Hamilton, 2 millièmes. Voilà, pour les fans, petite dédicace aux fans. Pour la pole, ça a été très serré. Moins de 10ème entre les 3 premiers, et pour la 4ème place, pareil, moins de 50 centièmes. 51 millième de retard, hein, si Yamamoto, William, 51 millième, ouais, exactement. 116 et 1 dixième, hein, Matouf qui a 1 dixième de la pole, ça c'est belle performance, hein, pilote Renault. 5 dixièmes d'écart entre les 9 premiers. Ouais, c'est qui. Donc les ouais, 9 premiers, et le 8ème, et le 10ème, à 8 dixièmes. Belle performance de Matouf à noter quand même. Un dixième de la pole, je suis pas sûr qu'il aurait parié sur ça en début de qualification. La marque aux losanges qui vit de belles choses dans cette fin de saison. Donc, première ligne, nous avons donc Yamamoto et William sur la première ligne. C'est en deuxième ligne, une Renault, une AlphaTauri, Matouf et Jacob. Troisième ligne, Rally Monster face à Adeo. Quatrième ligne, Spark, Gaëtan. Et en cinquième ligne, en toxique et Libero. 25-612, donc le meilleur temps de cette Q3. Et bien évidemment, on va pouvoir se retrouver d'ici quelques instants en direct de Suzuka pour ce 19e rendez-vous de la saison. Quel dommage, il n'y aura pas votre analyse du crash Bottas-Russell. Eh oui, dommage. Oh, dans la course, on aura peut-être du temps.